Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du KTP. Alors, petite précision pour tous ceux qui ont regardé l'épisode 1, etc., etc. Je tenais à préciser que voilà, le KTP a été tourné il y a longtemps, en octobre, et que là, aujourd'hui, on est en décembre. Donc, que voilà, à l'époque où on a tourné le KTP, on n'était pas vrai. En tout cas, pour ma part, j'étais vraiment pas très chaud sur le jeu. Hein, ça faisait genre une semaine à peu près qu'on jouait dans ce mode, etc. Donc voilà, donc pour ceux qui se diraient OMG mais tu fais des trucs nuls à chier et tout, je sais, c'est normal en fait, on était débutants, on était clairement la team la plus débutante avec la team de Mr. B-Boy aussi, Jiraiya Dark Funeral, qui était aussi une team on va dire débutante. Donc nous en fait le but c'était on va essayer c'était vraiment c'était pas de faire les héros on va dire, donc on a joué assez safe etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais vu quelques commentaires sur l'épisode 1 qui disaient ouais mais pourquoi machin, pourquoi truc. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On était débutants, surtout moi, ça se voit très certainement, hein, comment je joue, je suis pas rapide etc etc. Donc voilà, ça c'était juste pour remettre au point. Et puis aussi pour ceux qui se demandent pourquoi on n'entend pas toujours le son etc etc des autres. Je refais une précision pour tout le monde. On avait un plugin Mumble qui fait que si on est loin de nos coéquipiers, on les entend pas. Donc c'est bien le but, mais on peut entendre tout le monde sur le Mumble. C'est-à-dire que si on a des ennemis, une équipe ennemie qui est à côté de nous, on les entend aussi. Donc c'est un peu le principe et le truc qui est vraiment marrant dans le KTP. Donc si je suis éloigné de Skyheart ou de Zerator ou des deux, eh bien on les entendra pas, on va les entendre de moins en moins fort et puis après revenir. Donc c'est pas un bug de son, c'est normal. Et pour ceux qui diraient que le son est de base trop bas, je vois pas trop, enfin parce que techniquement j'ai regardé moi, je trouve que c'est très audible. Donc voilà, toutes ces précisions étant faites, j'espère que vous allez apprécier ce KTP. On continue directement avec l'épisode 2. On avait trouvé du diamant directement dans l'épisode 1, donc plutôt un peu de chance. Donc voilà, la suite, j'espère que vous allez apprécier. Et rappelez-vous que c'est tous les 2 jours, donc aujourd'hui, dans 2 jours, etc. etc. jusqu'à la fin et qui sait, peut-être jusqu'à la victoire. Allez, bonne vidéo, ciao. Bonjour. Yep, heureux tout le Allez, monde, bon. 5 diamants, 5 5? diamants déjà. Nice! Gaffe, oh mec, t'as Oh pas oui pris oui, un coup mec. ouais, vas-y, je vais derrière toi, je vais dire Azerator. Donc Ouais, c'est bon. voilà, 5 diamants, on a trouvé 5 bien joué. diamants, donc désolé l'épisode 1 qui a duré un tout petit peu trop longtemps, on n'avait pas vu le temps, c'est l'autre premier, on a un peu de mal des fois. Zerator SC2. Coucou. Oui, table d'enchant. J'ai trouvé 5 diamants. Nice. Donc on a déjà une table d'enchant, ça Ok. c'est validé. Ok. Voilà, on a juste coupé l'épisode 1 tout petit peu en retard, on n'a pas l'habitude. Parce qu'en fait Clairement. je pensais qu'il y avait un ding, tu sais, un truc comme ça. Normalement, ça l'écrit sur le chat. Mais bah j'ai. Ah oui, mais j'ai juste pas. Tu sais, j'étais tellement concentré, enfin concentré Non entre mais moi guillemets. aussi en fait, tu sais que là tu viens de me le dire et j'avais même pas vu que l'épisode 1 était fini. D'accord, bon bah voilà. Bon bah Ok. nous du coup on continue avec Sky et puis on se retrouve tout à l'heure. Ouais, par contre moi j'ai trouvé pas mal de fer et tout donc Ah cool, bah je vais le dire à Sky, ça va lui faire un peu plaisir parce que nous on trouve rien. Ah toujours rien les gars, moi non plus. Allô? Est-ce que t'entends Zerator ou pas? J'ai vraiment été aussi content de vous trouver du fer. T'entends, ok. Zerator apparemment a eu du fer, je sais pas si tu m'entends Sky. J'ai eu un peu de fer aussi, oui, ça y est. 4 déjà. Ok, nice. Là, là, je peux déjà m'acheter des bottes, hein. C'est la folie. Bon, pour l'instant on mine un peu à l'arrache. Bon, désolé hein. Il y a l'anab au bout du truc, donc on peut faire du coup. On a potentiellement. Ah, pauvre Jiraya qui apparemment bug. En plus qui n'a plus beaucoup de cœur, Jiraya, il a 11 cœurs. Enfin 11 cœurs, 10, 11 points de vie. Bon alors là, je sais pas trop, enfin on n'est pas des connaisseurs de Minecraft, donc apparemment il y a des techniques de minage qui sont interdites, mais nous on connaît rien du tout. Alors on mine juste, moi je mine juste tout droit. Oula, un lac de lave. Un lac de lave. Attention. Il faut faire gaffe. Bon clairement j'ai pas envie d'être le premier à mourir, donc là je joue hyper safe. Et au moins quand il y aura des gens qui seront morts, je vais jouer safe, mais si jamais il y a des ressources vraiment de ouf, je ferai peut-être attention, mais bon. Mec, le lac de lave nul à chier où il y a. Encore une partie, Zerator lui il creuse le bout de la vapeur. Mais on va limite rencontrer bientôt des gens, hein, parce qu'on est quand même beaucoup. Oh putain, on est masse. On est Oui, masse. on est masse par rapport à un UHC de base. On est genre 40 quoi. Ouais. Ok, j'ai un vieil redstone. Ah oui. Attends, vas-y, je passe. Je passe. Vas-y, passe. Et Je sais qu'on peut rester appuyé, etc. Mais bon. Oui, il faut faire gaffe. Bon, après, ça Voilà. va. Si on fait un petit récap de notre équipe, t'as combien? T'es à 20 toi? 19, j'ai pris un demi-cœur sur un creeper. J'ai Ok. pas trop mal géré parce que. Ok, Enfin, moi aussi j'ai pris un demi-cœur sur un creeper, donc je suis à 19 et Zerator est à 16, ça Ouais, c'est passe. ma faute.
Ça pa... Oui, mais ça passe, c'est genre on n'est pas à moitié Oui, de ça marche, hein. mid-life quoi. Pomme d'or égale full life, quoi. Bon, après, pomme, on en a pas et on n'a pas d'or encore. Ouais, On est tombé sur un village, vraiment, c'est ce que je disais dans l'épisode 1. On n'a pas eu de chat en fait. On est tombé sur un village qui, ça, est chatteux, mais il n'y avait rien dedans, à part des livres, enfin une ça bibliothèque c'est qui une permet pièce de un peu. faire. Bah, ça nous permet. Enfin, vu qu'on n'avait pas de vache et pas de canne à sucre, heureusement qu'on avait un Oui, village c'est quoi. ça, oui, c'est bien ça, oui. Bon, après, on aurait Là, peut-être pu. on a techniquement déjà la table la table de craft, hein. On devrait d'ailleurs même l'utiliser, non, pour pouvoir lisser nos enchantements. Go créer la table direct, non? Bah ouais, mais pour créer la table il faut miner de l'obsidienne et pour l'instant on en a pas, hein. L'obsidienne c'est facile, mec, il faut juste de l'eau et... Ouais, il faut de l'eau, mais il en faut. Ouais, Bon alors, il est parti Sky, on va continuer de miner tout droit. Donc là on aurait peut-être pu au tout début de l'épisode 1, bon on est néophyte, hein, mais c'est pas très grave, je pense qu'on aurait peut-être pu explorer peut-être un peu plus. Puisque honnêtement je pense qu'on n'a pas le niveau nécessaire pour et pas la chance là apparemment pour aller craft pour aller dans le Nether et réussir à craft des potions et tout. Je pense qu'on va y aller, ça va être soit trop tard, soit enfin voilà, soit trop tard, soit ce sera déjà tout payé, donc en fait trop tard quoi. Donc je pense qu'on va peut-être plus se concentrer sur les enchantes. On aurait peut-être pu essayer, vu qu'on avait un dessert au début, on aurait peut-être dû tenter de voir si on... Comment, si on pouvait trouver un temple. Désolé, je trouve plus mes mots. Donc là il y a du fer à mes pieds, hein. J'ai bien vu, vous inquiétez pas. Je suis aveugle mais quand même pas à ce point là. Je mine tout droit, j'aimerais bien tomber sur une caverne. Moi j'aime bien explorer les cavernes. Mais d'abord j'aimerais bien me stuffer un tout petit peu. Donc on va essayer de prendre le fer. Alors j'entends des trucs, mais je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas si vous l'entendez aussi. Alors là il faut faire gaffe, on est couche 11. Donc il peut avoir de la lave. Enfin là on est couche 12. Et il peut avoir de la lave en dessous là. Donc là peut-être que ici il y a de la lave. Non c'est bon, et là non plus. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors la bouffe, on en trouve, on en a presque plus besoin. Enfin, quand on est dans les mines, honnêtement, on n'avance pas en fait, donc et on saute pas beaucoup, donc du coup on consomme pas beaucoup de bouffe et ça c'est pas mal. Je veux dire que bon voilà, j'ai un steak et j'ai encore plein de bouffe crue, on va dire. Donc voilà, bon, je crafte un petit peu le charbon. On en a jamais assez. Enfin, si on en a des fois assez, mais là au début, on en a jamais trop, on va dire. Donc voilà, et après je vais aller faire quand même une petite pioche en fer, parce que la pioche en pierre, c'est la galère de ouf. Bon là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ah, j'entends Sky là-bas. Hop. Voilà. Bon, on va revenir... Merde, mais je suis trop con en fait. Je vais revenir vers mon ami Sky qui est là-bas. Bonjour, bonjour. J'entends un zombie là. Ok, mais... moi je n'entends rien. Okay. Mais ça me dérange pas. Ouais, moi non Donc, plus ça me dérange pas. T'as trouvé de l'eau ou pas? Non, j'ai pas trouvé d'eau. Par contre, moi j'ai toujours une pioche en fer, donc je vais aller me faire. Signale-le et tout. Ouais, t'inquiète. Vous savez quoi, je vais faire une arme. Zerator, t'es où? Je fais une arme pour un polo. Ok, mais je sais pas où t'es. Oh merde, je suis pas du tout là où il faut en fait. Zerator, t'es où? Ah putain, mais en fait la table de craft était très très loin, je pensais. Zari, tiens. Ok, merci. Attends, parce que moi je vais te donner un autre truc. Qui peut te servir, c'est de la bouffesse. Ah mais ça va, j'ai pas de problème, j'en ai 17, hein. Ah ok. Bah c'est peut-être Sky qu'on a pas beaucoup. Alors moi je veux faire une pioche en fer de base, hein, quand même, parce que... Tiens, j'en ai une, tiens. Vas-y. Je m'en sers pas moi. Ok, donc nous on a une quand même table d'enchant, ce qui est pas... Enfin on a une table d'enchant. On a pas encore. Pas encore, mais on a de quoi faire une table d'enchant, donc techniquement on en a une. Est-ce que tu vas faire un casque en or ou pas? Oui, bah si je trouve assez d'or. Si on a zéro or et qu'il y a un mec qui a pas de vie, non, on fera une pomme en bah or. Là, mais... clairement, moi j'ai perdu de la vie. T'as perdu masse vie? Après Sky ou pas? Bah j'ai 16 quoi. Ah oui, non, mais c'est. D'accord, oui, t'as perdu masse vie, mais c'est. Enfin, genre t'as pas reperdu de la vie quoi. Ouais, non. Ok, je vais faire des jambières. Ok, je vais faire une poubelle moi vite fait. Ouais. Il y a un lac de lave là-bas, je vais. Il faut faire gaffe. Là-bas, au. Là où je regarde, au bout, il y a un lac de lave, donc fais gaffe. Ok. Bon ça va. Moi, je creuse un petit peu à côté pour... Ouais non là ça sert à rien. Je creuse un petit peu à côté en attendant pour qu'on se parle en fait. Ouais vas-y. Tac, moi je jette tout. La laine on s'en fout. La... Sky est allé faire quoi là? Oh il continue de miner tranquille. Faudrait qu'on trouve de l'eau en fait, là c'est notre défi. Ouais. C'est vrai qu'on a pas d'eau, c'est un peu de la merde. On peut faire un saut mais on a pas d'eau. Par contre on a trouvé pas mal de fer, c'est cool. Bah pas tant que ça honnêtement, hein, je trouve. Attends, t'as du fer sur toi là, t'as des lingots non? Non. T'as pas un lingot sur toi? Non. J'ai tout ah mis. Bon j'ai en fait j'ai tout pris là déjà. Enfin j'ai 6 6. Ah mais tu t'es fait attends. Là j'ai une pioche et une épée. Et t'as crafté une autre pioche? Non, j'ai crafté une épée.
Ah mais t'aurais pas dû mec. Bah pourquoi? Ça sert à rien pour l'instant. Bah non mais de toute façon ça servira forcément plus tard en fait. Donc je me suis dit vu que oui, je mais peux... autant qu'on soit stuff. Oui oui je sais mais vu qu'il en restait plus que deux, je me suis dit côté... on peut rien faire en fait. Si en fait avec deux il me reste, j'avais une jambière en fait. Ah d'accord ok, bah c'est pas grave, on t'inquiète, on va retrouver. Oui je sais je sais. C'est juste qu'en fait j'avais pas d'épée tout court en fait, donc je me suis dit autant faire. Pas si loin, ça sert à rien, c'est ça va très loin ça. De quoi ça va très loin? Bah ça va très loin cette galerie là, autant que tu Ah oui non mais je comptais faire un minage au pif, tu sais, prendre en perpendiculaire un truc au pif. Mais essaye d'aller plutôt vers là où on est pour qu'on puisse continuer de se parler en fait, tu vois. Ok ok, mais le problème c'est que bah là ça va pas être genre du minage optimisé ou je sais pas quoi là. Non je crois pas, enfin je sais pas trop mais... Je connais pas en fait donc du coup je sais pas, j'ai pas envie non, mais de... Viens, viens on va aller là où il y a Sky, je vais lui filer son armure. Ouais j'ai pas envie de faire un truc viens. Interdit tu vois. Non non ouais bien sûr. Attends du coup je vais crafter une épée aussi vu que machin. Oui. Je vais crafter une épée à Sky. Mais craft une épée hein, c'est bien l'épée hein. De toute façon ça, l'épée ça servira toujours. Ouais, alors que sûr. Si t'as pas tes jambières tu vois c'est pas... Pour l'instant c'est pas forcément le plus non, utile. Non bien sûr. Là donc j'ai deux lingots. Bah tu sais quoi prenons tout ça limite non. Attends attends bah du coup je vais tout cramer. Le tout, ah ouais. Tout ce qui reste à cramer, je le fais cramer. Et ok, après... je vais voir Sky. Ok, mais Sky il est pas par là, hein, je crois. Si, je crois. Non, là il y a le lac de lave. Enfin, on va voir, je sais pas. Alors, bon, on attend, on fait cuire de la boubouffe. Je vérifie que ça marche. En fait, je sais pas où est Sky. Je sais où est Sky, moi, il est là en fait. Il est là. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais, bah vas-y, bah j'y vais. Ouais, bah vas-y, de toute façon. C'est un tournant que j'ai fait. Je sais pas, j'ai pas vu. Bon, je fais cuire tous les steaks, après je vais prendre tout, les tables de craft et tout, comme ça on va migrer notre base entre guillemets. Donc là c'est bon. Alors moi j'utilise les raccourcis de ma souris pour les 3 premiers trucs, et les 4 premiers, les 5 premiers même. Donc en gros j'ai, voilà, tac, tac, tac. Getting an upgrade, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, il y a des achievements, mais je sais pas trop ce que c'est. Ah ouais! Skyheart il a masse fer. Nice! Nice, cool. Par contre il était pas là, il était... 30, bonjour. Attends Sky, t'attends, bouge pas, bouge pas, ah, bouge pas, bouge pas. Je te drop ça, je te drop ça. Voir quelqu'un avec une épée me fait très peur. Vas-y, bah mets-toi à cuire. Faites les jambes aussi les gars, les jambes c'est vachement rentable. Ouais, 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 mais c'est juste qu'on avait rien en fait. Oui, avait pas oui, bien sûr, j'ai bien compris. Alors. Limite les 4 on s'en bat les couilles, les 4 sont derniers. Ouais. Est-ce après, que t'as... Les épées. Est-ce que t'as de la bouffe Sky? Ouais, faites pas des plans de diamants les gars. Faites pas des plans de diamants, c'est de la merde. Bah sauf si on a pas assez de diamants pour rien faire d'autre, tu vois. Mais non mais on économisera pour le plastron je pense. Oui, oui, oui. Et on fait parce que là on a tellement on a table d'enchant. Par contre il nous faut de l'eau mec à tout prix hein. Oui oui je sais, je sais. Aille en chercher là-haut non. Mais là-haut il y en avait. Si il y en avait. Je crois pas qu'il y avait d'eau ou peut-être à côté du désert. Vas-y je crois qu'il y en avait. Si vas-y balance moi un saut j'y vais. Pardon stop. T'es sûr mec là? C'est pas l'erreur en tout cas hein. fais, t'inquiète on bro. T'inquiète on en est un zombie. Ok. Non, y a si y a un zombie mais dans le coin j'ai pas de saut là. Il y a la fille là mais je crois que c'est elle a encore parlé. Ouais c'est parce qu'elle s'est déco. Oui, y'a un zombie dans le coin, mais t'inquiète. Ah bon? J'entends un zombie aussi, mais il est loin. Ouais. Mais faites-vous vos jambières et ça ira mieux, je pense. J'ai les jambières. J'ai pas eu le saut, Zerat. C'est toi qui a dû le récupérer. Zerat qui a dû l'avoir. Ah oui, je l'ai. Vas-y, balance-le. Donne-moi une jambière si possible, je vais aller dehors. Du coup, moi j'ai le diamant, je peux le dropper. Je fais une pioche de diamant déjà direct. Ouais, fais une pioche de diamant. De toute façon, ça c'est assez safe. Non, mais de toute façon, t'es obligé de la faire donc. Oui, c'est ça, obligé de la faire. Bon, allez, je vais dehors, je vais essayer de récupérer de l'eau. À tout de suite. Ah merde, j'en ai fait deux, non, je rigole. Le mec beaucoup trop au fond, t'es. Mais t'as dit? Oh non! J'en ai fait deux, t'es. Ah ouais? Le gros salaud, t'sais, qui ruine ton diamant. Non, je plaisante. Voilà, bon. Alors. Il nous en reste 3 pour info. J'entends un bruit, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un zombie, je crois, ça. J'ai fait un four de plus, ça va plus vite. Ouais, t'as bien raison. Bon, on va laisser nos potes cuire et tout le fer qu'ils ont ramassé. Sky apparemment a une bonne récolte. Et on va essayer d'aller dehors. Normalement on est en Eternal Day, ça veut dire qu'on est tout le temps dans le jour. Donc techniquement je devrais pas rencontrer un milliard de mobs. Le seul truc qui peut m'arriver c'est que je rencontre un joueur et que je sois très très déçu. Parce que pour l'instant personne n'est mort. Donc il faudrait pas que je meure, ce serait un peu ballot. Alors là j'entends un cochon. Il y a déjà un mec, Bytel, qui a 9 HP. Bytel, je sais pas comment ça se prononce son pseudo, désolé. Alors il y a un cochon. Je vérifie vraiment partout. Pas un creeper ou un truc dégueu. Bon, il y a des villageois, donc il y a de l'eau. On va leur voler. Ok. Je vérifie vite fait qu'il n'y a rien. Allez, on se casse. Ça sert à rien de rester là trop longtemps. Voilà. Bon, en fait, ça c'était pas du tout. C'était trop spotted à l'infini. Je viens de remarquer ça. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon,
Je pense pas qu'il y ait un joueur qui va spawn ici de toute façon pour l'instant. Voilà, on redescend, on a de l'eau. Donc ça c'est good. On a accompli notre mission. Alors on est en retard par rapport à un UHC solo. Je pense que vous à la diffusion de cet épisode de ce KTP, de toute façon, j'aurais déjà mis peut-être un ou deux UHC en solo sur la chaîne. Et vous verrez que dans les UHC en solo, je vais beaucoup plus vite. Parce que déjà, un, il n'y a pas le stress. Parce que là, évidemment, c'est un truc un peu plus. Ouais! T'as trouvé des trucs? Ouais, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Ça t'a rien coûté en vie? Non, non, bah, il y avait des cochons, je les ai défoncés quoi. Voilà, exactement. Ouais, j'ai de l'eau! Mais ouais, mais t'es où? Il est au fond. Ah, je te vois, je te vois. La lave, elle est là-bas. Là, là. Je te montre. La lave, attends, me tape pas. Ah, tu veux voir le... Ça, il regarde s'il y a des ressources, c'est pas mal ça. Le lac de lave, je sais où il est, puisque c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais, d'accord, ok. Bah, vas-y, bah, go lave, you lave et on. Eh, hey, mourrez ouais. Pas dans la lave. Ouais, non, mourrez non, pas. Non, mais t'inquiète. Le lave, ça ferait vraiment chier. Non, mais là, on peut pas se permettre de mourir en premier, de toute façon. Voilà. Donc là il y a de l'obsidienne. Donc il faut que je fasse très attention. Bon là si je tombe il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là on purifie un peu ce lac de lave de merde. Voilà. Donc ça c'est sans risque. Bon évidemment par contre on voit plus rien maintenant. Donc voilà, donc on n'a pas trouvé de caverne encore, je suis très déçu hein, parce que moi j'aime bien explorer les cavernes et tout. Donc voilà, alors il faut faire attention quand même parce que même si on a enlevé la lave là, il peut y avoir de la lave en dessous de l'obsidienne. Donc attention. Donc je vais dire à Sky, il va pouvoir piocher l'obsidienne avec sa pioche en diamant et on va pouvoir commencer à enchanter. Ouais, il y a un lac d'obsidienne entre guillemets. Donc okay. Sky, ouais, bonjour. À toi de jouer. Ah oui, d'accord. Lac d'obsidienne. Bah, je te file la pioche, mec, je te file la pioche. Je suis pas expert pour looter, pour miner l'obsidienne. Ok, ok, bah je vais le faire alors. Plus, donc... Ok. Ouais oui c'est vrai que oui, si t'as l'eau il vaut mieux que tu le fasses. Ouais ouais je vais le faire, je ouais, vais le faire. Sans eau je trouve ça chaud honnêtement. Ouais. Donc il en faut 4 hein, de blocs d'obsidienne pour sachant que. Fais gaffe parce que mec il y a sûrement de la lave en dessous. Oui non mais je sais t'inquiète, je suis au courant. Ok. Alors. On est pas mal, on a juste pas le laser, limite on devrait y aller. Oh, regarde. Oh, oh non. Oh, oh. C'est qui? C'est BX Sakid, je ne sais pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est. Alors fais gaffe Zerator, je vais commencer à miner donc s'il y a de la lave en dessous. Oh putain! Ok, il n'y a pas de lave en dessous de ce bloc, donc on va y aller. Typical Zerator player qui est mort. Bon, c'est bon, on est déjà pas les premiers à mourir. GG. GG. Après, il y en a qui sont mal, hein. Il y en a qui sont vraiment pas bien. Genre, il y a Beetel, il est à 9. Il y a la team de Beetel, ils sont pas bien. Et pourtant, Beetel, ça, je crois. De ce qu'il m'a dit, enfin de ce qu'il me parlait et tout, il m'a parlé un petit peu vite fait. Il a l'air de connaître très bien le jeu, donc. Bah après, tu sais, il suffit de pas avoir de. Oui, non, mais je sais très bien. Ça peut aller vite, hein. Je sais. Je suis pas en train de dire qu'il est nul, hein, clairement pas. Donc, moi, il me manque encore pas mal de pièces de stuff. Donc il reste plus qu'un seul bloc d'obsidienne et je pourrais. Tu viendras faire la table d'enchant là-bas? Ouais, je vais la faire. Ok, vas-y, à toutes. À toutes. Donc voilà, donc l'obsidienne c'est le truc le plus long à miner et obligatoirement. Ouf. Voilà, donc ça c'était le gros souci. Il fallait faire attention. Parce que là j'aurais pu die dans la lave. Dans un par un de lave, je serais mort, je serais très très déçu. Hein. Donc voilà, donc on a les 4 blocs d'obsidienne. Il me faut. Sky. Il est pas là, il est là-bas. Parce que c'est lui qui a les 2 diamants en fait, donc je peux pas faire. Skyheart, appelle à toutes les unités. Et il faut ton livre aussi, Zera. Je suis en route, j'ai rien trouvé là par contre. Et okay. Mec, fais des bibliothèques autour de la table d'enchant, hein. Ouais, mais ça va nous coûter des levels, on en a pas. Lol. Ah oui. Oh là, je t'ai vu traverser un mur. Moi, je suis niveau 13, hein, si jamais. Ok, mais ouais. est-ce que vous voulez qu'on tente. Alors, vas-y, balance. Je vais faire la table d'enchant. Est-ce que vous voulez qu'on tente un enchantement au. What au level. Il y a une grotte là. Attends, il y a une grotte. Moi, je pense. Oh à... Non. Oh merde. Sorry, c'est moi. Aïe. My bad. Attends, là, il y a une grotte. Combien que j'ai pris un cœur. En... Passez pas devant moi, passez pas devant moi. Passez pas devant moi. Attends, on a retrouvé un de diamant. Il y en avait 6 en fait, je crois. Ah, ok. My bad, Xari. Bah, c'est pas grave. C'est bon, tu m'as pas roulé dessus non plus, quoi. Ouais, mais c'est toujours chiant, quoi. On a 20 livres, donc on peut faire des bibliothèques, mais je ne sais. Ah merde, c'est toi qui les as récupérés, Zera. Au pire, les bibliothèques, on les fait vraiment ou pas? Bah, ça dépend en fait. Est-ce que vous voulez tenter de faire un enchant puissant avec les 13 levels de Sky et après on s'en fout ou pas?
On peut tenter. Moi je pense que non, moi je pense qu'il vaut mieux faire plein de petites enchantes. Ok. Ça mieux moi. Ouais, avec moi je vous propose, on fait plein de petites enchantes, on récupère du coup par contre, faut... stuff, et on va ensemble au Nether parce que comme on va être proc 1 et sharpness 2 beaucoup trop tôt là. Allez go 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 les gars. OK. Ouais, bon, si on fait vite, honnêtement, on a l'avantage au Nether. Attends, arrête de taper. Quelqu'un a du fer ? Attends, 2 secondes. Moi j'en ai 2. Ouais, vas-y. Ouais. Par contre mec, j'en ai besoin un petit peu quand même hein. On n'a pas de casque encore. Non mais en gros avec les deux fers, je peux faire un casque. Ouais, mais bon. Après, enfin un casque ou ouais. Ou double bottes. Vous avez des bottes ? Moi j'ai rien moi. J'ai que jambière et plastron. J'ai pas bottes ni casque. Moi j'ai des bottes ouais. Bah allez, tiens, allez, prends le casque Sky et ensuite on va stuff Xavier. Ouais, go s'enchanter, go récupérer un peu plus de stuff et mais il faut quelqu'un qui aille là, je pense qu'il faut quelqu'un fasse la gate du Nether rapide. Oh, j'ai eu sharpness 1. Nice. Ouais, bien joué ça. Cool. Bah moi je peux protection. Oh, putain, j'ai pas de bol. Bon. Je vais aller miner de l'obsidienne pour faire la porte. Oh, protection 1. J'ai tellement pas chaté, j'ai que de la projectile projection quoi. Protection 1. C'est pas si dégueu hein, projectile. Enfin, c'est. J'ai que des protections hein. Nice. Ah bah c'est bien mec. Par contre, moi je suis bien au fond par contre. Je suis bien dessus. Full stuff protection 1 avec sharpness 1. Ok, c'est nice. Alors attends. Que des enchantes niveau 1 pour un point. Partez, je vais. Enfin. Avec knockback 1. Oh man, no. Knockback c'est trop bien mec. Sharpness 1. Ouais, c'est bof, mais ça va. Knockback ça va. Knockback c'est pas mal hein. C'est pas le pire, oui, c'est pas le pire, c'est pas breaking quoi. Oui, c'est correct, mais c'est pas ouf quoi. Bon, le sharpness 1. Par contre, clairement, si je fais une pioche en fer avec durabilité infinie, là, c'est pas mal. Hein. Ah, j'ai explosion et P1. Donc, il y a un truc nul à chier, explosion, mais bon, c'est pas grave. Tenez, prenez de la bouffe. J'ai de la bouffe. J'ai 13 de bouffe là. Ouais, moi j'ai de la bouffe, c'est bon. On a même plus de quoi faire une pioche voilà, en fer. Donc, faut... Et bah, ce fut un plaisir de jouer avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne chance. Ciao, mec. Merci. Alors, ciao. Bon, Sky Zera, essayez de me trouver du fer pour me finir mon stuff. Moi, je vais aller. Faire l'obsidienne pour la porte, ok. Vas-y, fais la porte, vas-y go. Donc je vais aller faire la porte. Donc attends, je veux pas que Sky le fasse parce qu'il sait très bien le faire. Oui mais le problème c'est qu'il nous faut de la lave, de l'eau et tout, et on a qu'un seul stack d'eau, on a pas, enfin c'est chiant. Bon, il va looter. Je vais le faire, c'est pas grave, ça va être boring mais c'est pas grave, je vais le faire. Par contre, les mecs, fin de l'épisode en fait. Il y a fin de l'épisode, encore une fois, on n'a pas vu comme des bolos. Donc voilà, désolé, fin de cet épisode 2. On a réussi à ce stuff, petit résumé rapidement. On a réussi à ce stuff en faire presque tout le monde enchanté, sauf moi, puisque pour l'instant, j'aide mes compatriotes, on va dire. Et eux, ils vont m'aider en faisant les enchantes. Donc voilà, à tout de suite, enfin, à bientôt pour le prochain épisode. Voilà.